C'était en juin, presque 6 mois après ce jour terrible du 26 décembre 2004. Les pêcheurs se préparaient à retourner en mer. Ils étaient tous réunis sur la plage. Une intense émotion était perceptible dans l'assistance. Dans le silence qui régnait maintenant, un pêcheur qui avait perdu plusieurs des siens dans ce désastre s'était approché du bord et s'était adressé ainsi à la mer. « Tu es méchante. Tu t'es déchaînée contre nous. Pourtant, tu es notre mère. C'est toi qui nous nourris. Aujourd'hui, nos ventres ont faim. C'est pourquoi nous allons retourner pêcher. » Puis, en signe de pardon, il s'était penché, avait pris de l'eau dans ses mains et s'en était aspergé à plusieurs reprises, mêlant ses larmes à la mer enfin apaisée. Puis, les catamarans avaient été poussés au large. Nous avons assisté au lever du soleil, là où les eaux du golfe du Bengale, de la mer d'Oman et de l'océan Indien se rejoignent. Beaucoup de gens étaient venus assister à ce spectacle à la fois perpétuel et éphémère. Le 15 janvier 1937, Gandhi s'était trouvé à ce même endroit et avait traduit comme un signe inégalé donné au monde la rencontre de ces trois mers. À Madurai, célèbre pour son temple et son marché aux fleurs, nous bouclons notre tour de l'Inde après 6200 km et 104 heures de train. La communauté accueille une cinquantaine d'hommes, de femmes et d'enfants malades du sida. Le père Dominique nous a demandé de réfléchir à la mise en place d'un atelier occupationnel pour les adultes. L'idée d'un atelier de création de bijoux s'est imposée rapidement, restée à la mettre en pratique. Avec beaucoup de travail bien sûr, mais étonnamment facilement, les choses se sont mises en place. La rédaction du projet, la recherche de fournisseurs à Madras, puis la partie plus délicate de la création de modèles. Au retour de notre périple en Inde, il y a eu la mise en place de l'atelier proprement dit. Nettoyage, peinture, décoration, aménagement. Aucun détail n'a été laissé au hasard. En même temps, nous mettions au point des documents permettant de structurer l'atelier pour assurer sa continuité après notre départ. L'outil est enfin prêt. Sa réalisation aura nécessité 22 jours de travail effectif et plusieurs nuits de cogitation. Thank you.
La formation a duré jusqu'à notre départ. Nous sommes émerveillés de voir avec quel bonheur les femmes s'investissent dans ce projet. C'est très beau de la part de personnes condamnées à brève échéance par la maladie. Espoir, c'est le nom que nous avons donné à l'atelier. Hope Workshop est né. Notre contrat est rempli. Nous avons même mis au point l'emballage de transport et de présentation pour les colliers que le père Dominique emmènera partout dans le monde lors de ses nombreux voyages.